Mesdames et messieurs, bienvenue au cours sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique. Je me nomme Kibalo Abete. Je suis l'assistant du professeur Babatunde Aedemi, le directeur de ce cours. Ce premier module intitulé « Introductif » sera consacré principalement aux raisons qui sous-tendent la nécessité d'une mobilisation des ressources intérieures. En effet, le développement économique en Afrique est passé par trois grandes phases ou étapes depuis les indépendances. Et la première phase, qui part des années 60 aux années 70, est la phase d'industrialisation par substitution aux importations. Puis la seconde phase, qui part des années 80 à 90 et qui a été consacrée essentiellement au programme d'ajustement structurel. Enfin, la troisième phase, dite phase de document de stratégie pour la réduction de pauvreté, qui a commencé en 2000. Quels sont les différents changements de rupture structurelle intervenus dans le processus de développement en Afrique? Notons que les pays africains ont connu des taux de croissance économique relativement élevés depuis le début de cette décennie. La reprise de la croissance a été attribuée à l'action du gouvernement pour mettre fin aux conflits armés, à l'amélioration de la gestion macroéconomique, à la réduction de la dette extérieure et à la mise en œuvre des réformes structurelles et institutionnelles pour créer un meilleur climat des affaires. Cependant, si les performances de croissance ont été assez significatives, on s'inquiète de la nature omniprésente non inclusive de la croissance, ce qui entraîne le paradoxe de la croissance avec une aggravation de la pauvreté, une augmentation du chômage et une aggravation des inégalités. Dans le contexte du financement du développement, une croissance économique décente est une condition nécessaire pour mobiliser des ressources de diverses sources. Une économie en croissance qui ne connaît pas de transformation structurelle, notamment diversification économique, est une économie incapable du point de vue de la mobilisation des ressources aux fins du financement du développement inclusif. Quels sont les deux fondements philosophiques sous-tendant la nécessité de mobiliser les ressources intérieures? Il s'agit en premier lieu de l'appropriation du programme de développement et des indépendances économiques et du développement durable. L'appropriation par les pays africains du programme de développement pour l'après 2015 est essentielle pour saper les racines intellectuelles de la pauvreté. Les dirigeants africains devraient impliquer les communautés dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme de développement. En second lieu, l'Afrique doit véritablement se libérer d'un système économique colonial et veiller à ce que les institutions sociales soient en place, droits de propriété, incitation à l'agriculture pour rendre l'État autosuffisant dans la production alimentaire et le développement de la fabrication basée sur les ressources dans l'ordre, déplacer le pourcentage du PIB vers le secteur manufacturier et loin de la culture de subsistance. Quelles sont les principales raisons de mobilisation des ressources nationales en Afrique? Avant d'y arriver, nous allons un peu parcourir, en tout cas cerner le sens de la mobilisation des ressources intérieures. Et par définition, nous pouvons dire que la mobilisation des ressources intérieures peut être définie comme la production d'épargne à partir des ressources nationales et leur affectation à des investissements socialement productifs. À cet effet, il implique plusieurs mesures pour notamment soutenir l'assainissement budgétaire, améliorer la gestion des revenus, renforcer la gestion des dépenses publiques,
améliorer la génération d'épargne intérieure et accroître la mobilisation des ressources privées pour les opportunités d'investissement, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises. Alors, pourquoi la mobilisation des ressources intérieures? Les défis de la mobilisation des ressources intérieures sont énormes. Alors que l'Afrique se développe, son taux d'épargne oscille autour de 8%, tandis que le taux d'investissement augmente, quoique lentement. Le résultat est un creusement de l'écart investissement-épargne. Les prestataires habituels d'assistance ont leurs propres préoccupations sérieuses avec la COVID-19, entraînées par des décès, des hospitalisations, le chômage, etc. Le budget de développement actuel en Afrique est insuffisant. Cependant, le continent dispose des ressources nécessaires pour accroître le financement du développement. Il est donc impératif que l'Afrique intensifie ses efforts de mobilisation de ressources nationales afin de réduire sa dépendance à l'égard des ressources externes de financement, de l'espace politique sécurisé et pouvoir contrôler son programme de développement. Les avantages qu'offre la mobilisation des ressources intérieures. La mobilisation des ressources intérieures réduit la dépendance de l'Afrique à l'égard des entrées de capitaux extérieurs, telles que l'aide publique au développement et les emprunts extérieurs. Les ressources nationales laissent aux pays africains une plus grande marge de manœuvre politique et donc plus de contrôle sur leur processus de développement. Des niveaux plus élevés de mobilisation de ressources intérieures facilitent également des niveaux plus élevés d'investissement et de croissance économique et par ricochet une réduction plus rapide de la pauvreté. Une plus grande dépendance des ressources nationales, en particulier aux recettes publiques, peut conduire à un meilleur système de gouvernance. Les ressources intérieures sont considérablement plus stables que les entrées de capitaux extérieurs. Et le résultat est que les pays africains seront plus à même de mettre en œuvre des stratégies de développement véritablement nationales qui répondent à leurs véritables priorités. Dépendance de l'aide et diminution de l'aide publique au développement. Les ressources externes peuvent être regroupées sous quatre rubriques utilisées dans le consensus de Montreux sur le financement du développement. Il s'agit notamment des investissements directs étrangers et autres formes d'investissements étrangers privés, les recettes d'exportation du commerce international, l'aide étrangère et la coopération technique, et enfin le produit des dettes ou les remises de dettes par les créanciers internationaux. Au cours des 60 dernières années, au moins 1 million de dollars d'aide étrangère, 1 milliard autant pour moi de dollars d'aide étrangère auraient été transférés à l'Afrique, mais le revenu réel par habitant est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était dans les années 70. Quelle que soit la quantité d'aide qu'un pays reçoit, le développement ne peut être atteint par la seule aide extérieure. Le développement est essentiellement un processus interne d'une nation et ne peut être injecté de manière exogène par des étrangers. Par conséquent, il est impératif que l'Afrique mobilise ses ressources nationales pour conduire son processus de développement. L'Afrique doit être à la tête de son processus de développement. Quel rapport y a-t-il entre la mobilisation des ressources de développement et le programme de développement émergent? Un élan pour le programme de développement pour l'après-2015, à savoir les objectifs de développement durable, qui fournissent un plan commun pour la paix et la prospérité pour les personnes et la planète, maintenant et à l'avenir. Les 17 objectifs de développement durable s'interconnectent
Et afin de ne laisser personne de côté, il est important que nous atteignions chaque objectif et cible d'ici 2030. L'objectif politique 1 consiste à mettre à la pauvreté sous toutes ses formes partout. L'objectif numéro 2 est d'éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. L'objectif stratégique numéro 3 consiste à assurer une vie saine et promouvoir le bien-être à tous, à tout âge. L'objectif spécifique numéro 4 consiste à assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Quant à l'objectif politique numéro 5, il vise l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. L'objectif politique numéro 6 consiste à assurer une disponibilité de la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Et l'objectif stratégique numéro 7 consiste à assurer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Objectif numéro 8 consiste à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. L'objectif numéro 9 consiste à construire une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et encourager l'innovation. L'ODD 10 consiste à réduire les inégalités au sein et entre les pays. L'objectif de développement durable numéro 11 consiste à rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. L'objectif 12 consiste à assurer des modes de consommation et de production durable, tandis que l'objectif stratégique 13 consiste à prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. L'ODD 14 consiste à conserver et utiliser de manière durable les océans, les mers et les ressources maritimes pour le développement durable. L'ODD 15 est stipulé comme si protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, arrêter et inverser la dégradation des terres et arrêter la perte de la biodiversité. L'objectif numéro 16, promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour un développement durable, fournir un accès à la justice pour tous et créer des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Enfin, le 2D17, renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. Quant à l'agenda 2063 de l'Union africaine, elle se résume, elle comporte 7 aspirations basées sur 34 domaines prioritaires. Elle poursuit 20 buts avec 114 cibles et 200 indicateurs. L'agenda 2063 est divisé en 5 périodes de mise en œuvre de 10 ans chacune. Le premier plan de mise en œuvre décennale couvre la période 2013-2023 avec pour objectif et les objectifs et les aspirations de l'agenda 2063. La première aspiration consiste à faire de l'Afrique un continent prospère basé sur la croissance inclusive et un développement durable. L'aspiration 2 de l'agenda 2063 consiste à faire du continent de l'Afrique, autant pour moi, un continent intégré, politiquement uni, fondé sur les idéaux de planification, de panafricanisme,
est la vision de la renaissance de l'Afrique. Aspiration 3, une Afrique de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme, de la justice et de l'état de droit. Aspiration 4, une Afrique pacifique et sûre. Cinquième aspiration, une Afrique avec une identité culturelle forte, un patrimoine, des valeurs et une éthique commune. Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, s'appuyant sur le potentiel des Africains, en particulier ces femmes et des jeunes, et qui prend soin des enfants, constitue la cinquième aspiration. Et la septième, qui est stipulée comme suit, l'Afrique en tant qu'acteur et partenaire mondial fort, uni, résilient et influent. Les 17 ODD s'inscrivent parfaitement dans les 20 objectifs, de l'agenda 2063. Ils sont tous intégrés dans les 20 objectifs de l'agenda 2063. Et la portée des ODD se limite aux dimensions sociales, économiques et environnementales. Tandis que l'agenda 2063 a une portée plus large et couvre les considérations sociales, économiques et de durabilité dans le contexte général, les priorités politiques, culturelles et autres priorités africaines. Par conséquent, en mettant en œuvre l'agenda 2063, les États membres rempliront ipso facto les obligations mondiales au titre des objectifs de développement durable. Lien entre la mobilisation des ressources intérieures et investissement pour la transformation structurelle. Évaluer les stocks pour libérer le potentiel des économies africaines. L'Afrique a un énorme potentiel économique et offre des opportunités intéressantes aux entreprises mondiales à la recherche de nouveaux marchés d'investissement à long terme avec des rendements favorables. Cependant, certains obstacles affectent le potentiel des économies africaines. Il s'agit notamment des niveaux de concurrence plus faibles, c'est-à-dire la prévalence des monopoles, des duopoles et des oligopoles est relativement élevée dans certaines économies africaines, du chômage et du sous-emploi, du sous-investissement dans les infrastructures, l'énigme des coûts salariaux élevés, les crises fiscales, les changements politiques, le changement climatique. Quelles sont les exigences de ceux dont les économies africaines ont besoin pour réaliser une transformation structurelle? Afin de réaliser une transformation structurelle, les pays africains ont besoin notamment de l'infrastructure, les compétences et la concurrence sont des éléments clés du climat d'investissement. Les gouvernements doivent également élaborer un ensemble de politiques commerciales et de taux d'échange, d'investissement public, de réformes réglementaires et de changements institutionnels destinés à accroître la part des exportations non traditionnelles dans le PIB. La transformation de la structure d'une économie essentiellement agraire de semi-subsistance ne peut être réalisée sans une augmentation substantielle de la productivité agricole. Et par ailleurs, le processus de transformation structurelle doit tirer parti des interactions positives entre le développement agricole et industriel. Les gouvernements peuvent soutenir les agglomérations en concentrant les investissements dans des institutions et des infrastructures de haute qualité dans une zone économique spécialisée. Lien théorique entre les ressources intérieures, modèle à deux écarts et surplus économique. L'épargne et l'investissement sont définis de telle sorte qu'ils soient nécessairement égaux l'un à l'autre. L'épargne stimule l'investissement et la croissance. Elle soutient une croissance équilibrée, mais elle est soumise à des conditions. L'épargne doit être rentable. L'équilibre économie
économique correspond à investissement égal épargne sur le marché des capitaux. Donc, si l'épargne est supérieure à l'investissement, l'excédent d'épargne entraînera une diminution du taux d'intérêt, ce qui abaissera le niveau d'épargne et augmentera le niveau d'investissement jusqu'à ce que l'équilibre entre les deux variables soit atteint. Si par contre l'investissement est supérieur à l'épargne, le niveau élevé des taux d'intérêt attire plus d'épargne. La masse monétaire diminue les taux d'intérêt jusqu'à ce que la condition d'équilibre soit rétablie. Alors, si l'Afrique veut faire des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté, elle devra maintenir des taux de croissance moyens d'environ 7% et plus à moyen et long terme, ce qui exigera des taux d'investissement de 25% du PIB et plus. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les investissements soient alloués à des secteurs stratégiques ou prioritaires. Lien investissement et fonds propres. Les petites et moyennes entreprises. Nous allons plutôt vous présenter le partenariat de quatre investissements pour le développement durable. Et comme vous le voyez, dans la première colonne, il y a les investissements, les différents facilitateurs, les entreprises bénéficiaires ou vers lesquelles doivent être dirigés ces investissements et l'impact envisagé. Nous reviendrons éventuellement sur ce tableau dans les prochains commentaires. Comment relier les investissements à la mobilisation des ressources intérieures aux traités bilatéraux d'investissement pour attirer les investissements directs et étrangers? Un traité bilatéral d'investissement peut aider à attirer les investissements en servant de dispositif d'engagement. Présenté comme un dispositif d'engagement important qui attire les investisseurs étrangers, le nombre de traités bilatéraux d'investissement ratifiés par les pays en développement a considérablement augmenté. Alors que l'IDE, les investissements directs étrangers, a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières décennies, de plus en plus de pays en développement se font concurrence pour accueillir ces multinationales. En plus de négocier des accords spécifiques à des entreprises par le biais d'incitations fiscales, de subventions, etc., les pays se sont de plus en plus tournés vers la signature de traités bilatéraux d'investissement pour attirer les investisseurs étrangers de leur côté. Cependant, la nature de l'engagement peut varier énormément selon les termes des traités bilatéraux. Trop d'attention a été accordée à l'existence ou non d'un traité bilatéral, plutôt qu'à la solidité des droits de propriété effectivement inscrits dans ces accords. Pourquoi est-il nécessaire d'établir un climat d'investissement ou des affaires propices? L'environnement des affaires dans de nombreux pays reste décourageant. En effet, les entreprises ont du mal à s'enregistrer, à obtenir des licences nécessaires, à faire entrer et sortir leurs marchandises du pays et à respecter leurs obligations statutaires comme le paiement des impôts. Lorsqu'ils entament des litiges commerciaux, leur résolution est souvent un processus long et coûteux et peut potentiellement être une question de vie ou de mort pour les petites entreprises. Dans un effort pour attirer les investissements, de nombreux gouvernements africains ont pris des mesures pour améliorer l'environnement des affaires dans leur pays. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour stimuler les investissements privés sur le continent. Les pays africains doivent améliorer la performance des investissements
en créant un environnement qui permette aux entreprises de fonctionner de manière sûre, sans tracas et propice. Cela nécessite la création de politiques et de réglementations gouvernementales qui encouragent les entreprises à se développer, à être plus performantes, plus rapides et plus innovantes. Elle nécessite également une réforme de l'environnement administratif pour s'assurer qu'elle encourage plutôt qu'entrave la performance des entreprises. Mobilisation des ressources et pandémie de COVID-19. En mars 2020, l'OIT a projeté que la COVID peut entraîner une perte d'environ 25 millions d'emplois en Afrique. Cependant, la réalité semble plus grave et les pertes d'emplois réelles pourraient être nettement plus élevées. Les secteurs urbains, en particulier la fabrication et les services, qui représentent actuellement 64% du PIB africain, devraient être durement touchés par la COVID-19 avec des pertes substantielles d'emplois productifs. Les petites entreprises du commerce, de l'hôtellerie, du tourisme et de la fabrication sont particulièrement touchées, où 90% des entreprises s'attendent à une baisse d'au moins 10% de leurs revenus en 2020 par rapport à 2019. Les envois de fonds, source de revenus importante ou complément pour de nombreux ménages africains, ont également baissé. Les sources de revenus qui seront particulièrement touchées comprennent les licences et les frais, les taxes sur les services locaux, les frais d'utilisation, les taxes foncières et d'autres revenus. Et nous allons voir quelles sont les conséquences illustrées par la COVID en Afrique. Et sur le plan économique, on note trois niveaux d'effets. Les effets de premier ordre qui ont touché et entré à l'économie sont relatifs à la baisse du PIB, la détérioration de la balance commerciale, la perte de moyens d'existence d'emploi, l'épuisement de la richesse, l'augmentation des dépenses de santé et de dépenses connexes. Sur le plan social, on enregistre des pertes de vie, des dépenses sociales détruites, un impact disproportionné sur les groupes vulnérables et des services sociaux perturbés. Et sur le plan politique, il y a des réponses politisées. En ce qui concerne les effets de second ordre, sur le plan économique, on assiste à un effondrement des chaînes d'approvisionnement national, la stagnation de l'activité économique, l'augmentation de l'activité non formelle. Et sur le plan social, la privation généralisée, la désaffectation sociale et la répartition des services sociaux. Et sur le plan politique, l'érosion de la confiance et la politisation de l'application de la loi. Enfin, les effets de troisième ordre ont entraîné sur le plan économique la récession, la crise de la dette, la détresse financière. Sur le plan social, il y a eu l'augmentation des inégalités, le développement humain, des pertes, des groupes vulnérables victimes, des agitations sociales. Et sur le plan politique, des troubles politiques et des violences politiques. Alors, quels sont les impacts de la COVID sur le PIB et le commerce? La COVID-19 a généré des chocs sur le PIB et le commerce international. Les chocs ont été divisés en quatre ensembles, mais tous sont supposés se produire simultanément. Le premier choc est une baisse de l'emploi. En effet, avec une disponibilité de la main-d'œuvre plus faible, nous nous attendrions à ce que les salaires ceteris paribus augmente, tandis que les rendements du capital restent
inchangé selon nos hypothèses. En second lieu, le deuxième choc, cumulatif avec le choc d'offres, augmente les coûts du commerce international des importations et des exportations de 25 %. Quant au troisième choc, il a entraîné une forte baisse du tourisme international. Enfin, le quatrième, qui représente un changement de demande, en tout cas axé sur un changement de demande des ménages qui achètent moins de services nécessitant une interaction humaine étroite, tels que les transports de masse, le tourisme intérieur, les restaurants et les activités récréatives, tout en réorientant la demande vers la consommation des biens et d'autres services. Comprendre l'impact de l'épidémie de la COVID sur les économies africaines. L'Afrique, en raison de son ouverture au commerce international et aux migrations, n'est pas à l'abri des effets néfastes de la COVID qui sont de deux types, exogènes et endogènes. Les effets exogènes proviennent de liens commerciaux directs entre les continents partenaires touchés tels que l'Asie, l'Europe et les États-Unis, le tourisme, la baisse des envois de fonds de la diaspora africaine, investissement direct étranger et aide publique au développement, flux de financement illicite et resserrement du marché financier intérieur, etc. Les effets endogènes résultent de la propagation rapide du virus dans de nombreux pays africains. D'une part, ils sont liés à la morbidité et à la mortalité. En revanche, ils conduisent à une perturbation des activités économiques. Cela a provoqué une baisse de la demande intérieure des recettes fiscales en raison de la perte des prix du pétrole et des matières premières, couplée à une augmentation des dépenses publiques pour protéger la santé humaine et soutenir les activités économiques. Approche pour une meilleure mobilisation des ressources dans l'environnement post-COVID. Les pays africains sont extrêmement exposés aux chocs extérieurs. Un changement de paradigme est nécessaire pour modifier les schémas commerciaux des pays africains en eux-mêmes, entre eux-mêmes autant pour moi, et avec le reste du monde, en particulier avec la Chine, l'Europe, les États-Unis et d'autres pays émergents. L'Afrique devait transformer la pandémie actuelle de COVID en une opportunité et traduire les recommandations politiques sur les transformations productives. Par conséquent, il est conseillé aux pays africains de diversifier et transformer leur économie en renforçant la capacité de production du secteur privé afin de transformer les matières premières localement, de prendre des mesures économiques et financières pour soutenir les entreprises, les PME et les particuliers en réponse aux suspensions d'emplois temporaires pour sauvegarder les activités économiques, telles que les garanties de la dette du secteur privé. Demander aux banques centrales d'abaisser les taux d'intérêt pour augmenter les prêts aux entreprises et fournir aux banques commerciales plus de liquidités pour soutenir les activités commerciales. Les gouvernements devraient également renoncer immédiatement à tous les paiements sur les crédits commerciaux, les obligations d'entreprise, les paiements de location et l'activation de lignes de liquidité pour les banques centrales afin de garantir que les pays et les entreprises peuvent continuer à acheter les produits de base essentiels sans affaiblir le secteur bancaire. Initier des plans de relance budgétaire pour minimiser l'impact de la pandémie de COVID sur les économies nationales. Renégocier les plans de paiement de la dette extérieure et les conditions pour assurer le bon service de la dette, y compris la suspension des paiements des taux d'intérêt pendant la période de crise qui sont estimés à 44 milliards de dollars américains pour le compte de l'année 2020. Et les prolongations possibles sur la durée du plan. Mettre en place des méthodes innovantes de dépenses de santé, le gouvernement devrait stimuler les investissements qui renforcent les systèmes de santé pour permettre un traitement et un endiguement plus rapide.
mobiliser des ressources nationales suffisantes pour la santé, pour permettre au système de santé de répondre aux besoins en services de santé, notamment l'élimination des maladies à forte charge, la prévention et la gestion des flambées des prix sur le continent. Continuer à promouvoir la transformation productive et le développement du secteur privé pour transformer les produits africains produits localement. Vous avez quelques questions de réflexion vous sont attribuées et permettent de recueillir vos avis. Et ces questions également permettent de partager les expériences des uns des autres pour renforcer la prise de connaissance. Nous vous remercions pour votre attention.